Hop là. Un collage. Alors on met le son avec le son, parce que si tu montes ça à l'envers, il va y avoir, comme tu dirais, un problème à la projection. Et Martin, lui, c'était nonchalant, paresseux, ce n'est pas entretenu, en fait, c'est un travailleur. Alors on met ça en bout. La fédération, il a toujours été. Un petit repère. Pour pouvoir redécoller après. Elle aussi, il a eu des malheurs, elle aussi, il a eu un peu de temps. Demi-tour, et un coup de l'autre côté. Une écoute, donc un tourneur américano-canadien, Chris Albright, a consacré tout un show à sa mémoire. Et voilà. C'est bon, ça tient. Voilà, bon, alors, le plateau charge pour dérouler mes films. Là-dessus, j'ai 5 bobines, j'ai 1h30, donc 1h30, ça m'a fait 2,7 km. Alors, pour charger, bah, tout simple, on décercle, on met le cercle sur le plateau inférieur ou supérieur, qui dépend où il est le film au départ. Là, ce sera le plateau d'ici. L'amorce du film dans le palpeur qui donne la vitesse du plateau. Hop. Alors là, il passe dans un nettoyeur des magnétiseurs, ce qui est pas plus mal. Sécurité inférieure. Et là, je tire la pellicule jusqu'à mon réglage. Et voilà. Donc voilà, plateau, il est bon. J'ai plus qu'à charger mon film. En 3 minutes, je peux envoyer la séance. Projecteur 16 mm qui commence à devenir de plus en plus rare en cabine. 16 mm, pourquoi? Bah parce que 16 mm de largeur. Projecteur qui servait surtout dans les patronages ou pour passer les actualités ou les films très peu diffusés. Donc le 16 mm a été croqué maintenant par ce genre de joujou qui s'appelle la vidéo. Voilà, ce qui nous remplace le 16. Beaucoup d'actualités étaient filmées en 16 mm. Et était rediffusé en 16. Maintenant, faut passer moderne, faut passer à la vidéo. Plus souple, moins cher. C'est tout simple. Projecteur 35 mm, c'est-à-dire 35 mm de large. Voilà, le réglage. Alors là-dedans, il y a une grosse lampe de 2500 watts. Donc la lumière passe ici, passe dans l'objectif et se retrouve sur l'écran. Le son est lu soit en Dolby analogique ou en mono, soit en Dolby digital par ces deux caméras rouges, LED rouges. Ça passe sur le tambour, de là, ça se retrouve dans les décodeurs, des décodeurs aux amplis et le son en salle après. Donc voilà. Alors on charge une machine, c'est tout simple. On passe au débiteur inférieur, dans le couloir. On allume la lampe de cadrage. On se règle pour éviter les décadrages. Ça fait jamais très sérieux. On règle la boucle supérieure. La boucle inférieure.
Hop. On passe à la sécurité machine. Et hop. On enroule sur l'inférieur. On revérifie le tout. Et là, c'est bon pour tout à l'heure. Et voilà, machine chargée. Voilà. Premier souvenir de cinéma, je devais avoir 2 ans peut-être. Mes parents se sont dit, on va aller voir un bon petit film de guerre, les canons de Navarone, il va roupiller. J'ai pas roupillé, je me suis tapé le film entier. Et j'ai pu le trouver il y a quelques années en DVD et là j'ai craqué. Eh oui, il y en a qui commencent par Bambi, moi c'était un peu plus dur, quoi, c'est tout. J'habitais pas loin des studios d'Épinay. Donc dès que je pouvais rentrer dans une cabine, que ce soit sur un plateau, n'importe où, hop, par le trou, comme dans Cinéma Paradiso, les gamins tout petits. Bah, je l'ai toujours fait en tant qu'amateur, mais en tant que professionnel, bah, c'est un coup de pro, quoi. Vraiment le coup de chance. Une annonce à la NPE, au fin fond du bureau, spectacle, je me suis dit, je vais voir, cherche projectionniste, je me suis dit, bon, bah, celle-là, elle est pour moi, et je l'ai eu. Ah, ce que j'aime, le spectacle, ça fait partie du spectacle, hein, c'est tout. La technique, le spectacle, quand t'as une salle qui rigole, il n'y a rien de tel, c'est magique. Je vends du rêve et c'est légal. Hein, c'est quand même pas donné à tout le monde. Et quand on sent da qua sopra que le cinéma est pieno, la gente ride et se diverte, alors, sei contento pure tu. Ti fa piacere que gli altri ridono. È proprio come se fosse tu a farle ridere. E gli fai scordare le disgrazie e le miserie. Questo mi piace. Mais si c'est faire ce métier-là pour faire du pognon, c'est pas la peine. Bon bah, qui déjà qui s'y mettent sur un format bien international. La copie 35, c'est international. Pour l'instant, il n'y a rien de stabilisé. Il y a du 2K aussi, et maintenant Sony vient de sortir le 4K. Donc j'attends, c'est tout. On verra ça dans 5 ans peut-être, si c'est mis au point. Pour l'instant, la pellicule, elle n'est pas morte.